Chaque joueur a ses préférences et a différentes facettes dans son jeu. Sur le terrain, certains seront plutôt dans l'anticipation, d'autres dans la création ou dans l'agressivité sur le porteur. Chacun est différent, mais l'amélioration dans le jeu est primordiale pour tout joueur voulant devenir le meilleur à son poste afin d'aspirer au haut niveau. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 améliorations ou conseils, tu les appelles comme tu veux, pour que tu puisses apporter plus de qualité dans ton jeu et passer un cap sur le terrain. Pour chaque poste, il existe des circuits de passes. Et pour un joueur qui a l'ambition de jouer au haut niveau, ces circuits doivent être ses meilleurs amis. Quand tu vois des circuits de passes aller extrêmement vite sur le terrain dans le monde professionnel, c'est le résultat d'une grande maîtrise, certes, mais l'instinctif représente une grosse partie de l'exécution, car le cerveau retient tous les schémas qu'on lui inculque. Cela peut être un circuit d'appui, remis, soutien, puis ballon en profondeur, ou une combinaison au cœur du jeu, comme le faisait bien le milieu du Barça à son prime, ou un dédoublement dans le bon tempo d'un ailier avec son attaquant. Ce sont des détails pris à la légère pour beaucoup et certains affirment même qu'ils maîtrisent totalement ces circuits, mais en match la réalité est tout autre et ils galèrent à jouer contre des équipes de R3. Donc la team NE, le conseil que je vous recommande pour améliorer ce point là, c'est l'analyse des matchs. Ça c'est le béaba. Je te recommande d'analyser les joueurs à ton poste et de connaître les circuits les plus pertinents et fréquents tout au long du match. En règle générale, tu noteras 3 principaux circuits qui reviendront sans arrêt durant tout le match, sauf exception. Quand je te parle de taureau, je ne te parle pas de ça. Ce niveau est complètement dingue. Je te parle de ça. Idem pour les conservations de balles. Par exemple, le joueur amateur va faire la gueule lorsque le coach va annoncer au groupe que la conserve est à 2 touches de balle max, alors que le joueur pro, lui, le fera instinctivement. Pourquoi ? Parce qu'en match, le but est de faire circuler le ballon le plus rapidement possible pour déséquilibrer le bloc adverse. Et dans une circulation de balle, le but est d'aller le plus rapidement possible pour créer des décalages. Si tu fais bien attention lorsque tu regardes un match de Ligue 1, l'équipe qui a envie d'augmenter le rythme, les 3 touches de balle sont le max, car sinon ça va trop ralentir le jeu. Donc les gars, même si je sais que sur un taureau ou sur une conservation de balle, la moitié voire les 3/4 en auront strictement à rien à foutre, ça encore une fois ça dépend du niveau auquel tu évolues, essayez quand même, même si je sais que c'est pas facile, de pourquoi pas mobiliser les groupes, mais surtout faire de la qualité de votre côté. Car les gars, sur le terrain on est là pour bosser et au bout d'un moment parfois il faut penser à sa poire pour progresser. L'aspect cognitif. Cela peut être l'analyse de la situation et de garder le contrôle tactique lors d'un match, l'adaptation à une situation d'urgence et s'adapter au plus vite et rapidement à l'adversaire, la poursuite visuelle d'objets en mouvement et anticiper ses trajectoires, et enfin le contrôle des émotions et ainsi rester calme en toute situation de stress ou sous pression. Ça, ce sont des situations cognitives que tu retrouveras en match et que tu te dois d'optimiser pour améliorer ton jeu. Donc bien évidemment, lors du taureau et de la conservation de balles, tu le travailles déjà, mais ça ne suffit pas. Tu dois rajouter des séances, donc cela peut venir avec du neurotraining par exemple, ou sinon j'ai un super exercice pour toi. Je le fais souvent en séance avec mes joueurs et ce type d'exercice est aussi disponible dans le programme Vitesse Speed Evolution qui est disponible en description. C'est l'échelle avec couleur. Le but est d'analyser, s'adapter et de répondre à chaque problématique que la couleur propose, et sur cette vidéo en l'occurrence, la couleur correspond à un nombre d'appuis précis. Je te recommande de le faire avant chaque séance en club ou dans tes séances Vitesse. Sur le moyen terme, tu verras très vite des résultats. À chaque poste correspond ses qualités et chaque joueur doit s'adapter par rapport à ses compétences. Je m'explique. On sait que pour être un bon 6 de haut niveau, tu dois récupérer beaucoup de ballons, avoir une VMA de 20 km/h et avoir une vision du jeu au-dessus de la moyenne. Et par rapport à tes qualités qui peuvent être l'explosivité par exemple, le jeu court et la récupération, tu dois incruster ces points forts dans ce que demande le poste. Quand tu regardes Busquets, il est lent certes, mais il répond aux critères du haut niveau avec sa lecture du jeu. N'Golo Kanté, il n'est pas super fort techniquement comme un Toni Kroos par exemple, mais il est super bon dans les efforts défensifs et la récupération. Dans chaque secteur, il y a des prérequis. Mais avec tes points forts, tu dois t'y adapter pour correspondre à ce que demande le football de haut niveau. Par définition, l'état de flow est comme un état d'activation optima dans lequel le footballeur est complètement immergé dans l'activité. Autrement dit, c'est un état psychologique optimal où tout ce que tu entreprendras sera une réussite. Il y a des jours où rien ne va et des jours où sur le terrain tu es léger, fluide et efficace. L'état de flow, c'est ça. Malheureusement, trop de joueurs négligent la préparation mentale et me demandent souvent à travers les programmes ou par mail: Antoine, comment être bien dans son match? Ou encore, Antoine, comment garder ses performances constantes sur toute une saison? Bon, bien sûr, cela passe par beaucoup de travail et de discipline. D'ailleurs, j'ai consacré un e-book gratuit pour tous les joueurs qui veulent bosser et jouer au niveau. Vous y retrouverez 7 chapitres sur la performance du footballeur et le lien du e-book gratuit est disponible en description.
Ensuite, le côté mental passe aussi par un travail avec un pro. Cela peut être fait tout seul bien sûr, mais le préparateur mental, qui est encore une fois selon moi trop négligé, peut en quelques séances te permettre de trouver ton état de flow afin que tu sois un autre joueur sur le terrain. La clé, c'est ça, et j'insiste vraiment là-dessus la team. Pour passer un cap sur le terrain et devenir un meilleur joueur, tu dois absolument investir en toi à travers des vidéos comme celle-ci, des livres, des coachs, des suivis et des programmes, que cela soit payant ou gratuit. Bon, la différence c'est que quand c'est payant, les gens se bougent vraiment le cul. Bon, ça c'est notre histoire, mais dans l'esprit c'est ça la team. Vous devez absolument investir en vous pour passer un cap sur le terrain. Voilà la team NE, les conseils pour améliorer son jeu sur le terrain. C'était cette vidéo et j'espère qu'elle vous permettra d'être meilleur dans votre carrière sur le terrain. Et si c'est le cas la team, explosez la barre des likes sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et aussi explosez l'espace commentaire avec beaucoup de commentaires. Ça nous aide beaucoup pour le référencement YouTube. À présent la team, je vais vous laisser là, persévérance et motivation, et on avance ensemble.